Bonjour à tous, bon dimanche. Nous revoilà dans le jardin. Aujourd'hui, je vais préparer on va préparer le purin d'ortie. J'ai ramené 2 pieds de chayotte que j'avais gardé à la maison. Là, je pense que normalement on est épargné par rapport au gelé. Du coup, je vais me permettre de les mettre par terre. Et là aussi, c'est des petits oignons, petites semis d'oignons en barquette. Je vais mettre quelques plants en plein terre. Et je vais vous faire parler aussi des. Comment s'appelle ça? C'est. Et je viens aussi de procéder à la plantation de pieds de physalis. Comment on peut les voir là? Après ça, je vais faire un peu de. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais peut-être bêcher un peu, si le temps le permet. De base, je me dis il faut que j'arrive à un moment donné à ne plus bêcher ma terre. Et juste pour cette année, je me dis je vais peut-être le faire pour la dernière fois. Parce que là, je vais partir un petit peu sur la chasse des racines de liseron pour en réduire énormément. Et j'ai aussi un peu de chiendent qui traîne. Je vais essayer d'en réduire le maximum de racines. Après, pour les autres herbes, ça ne me dérange pas. C'est beaucoup plus. C'est le chiendent. Qui est assez embêtant. C'est mieux que pour la permaculture, comme j'essaie de me diriger vers la permaculture au maximum. Et quand même, je souhaiterais bien si je peux du moins en réduire ces racines de chiendent. Voilà.